Nous sommes en 1941, un mois avant Pearl Harbor. À 11h, par une nuit de novembre, un sous-marin anglais fait surface en Méditerranée, devant les côtes de Libye, en Afrique du Nord, derrière les lignes allemandes. Vous êtes sûr que notre signal sera vu? Il le devrait. Les voilà. Que disent-ils? Ils disent qu'ils sont prêts, mon capitaine. Dites-leur que nous débarquons. Venez. C'était des commandos britanniques. Et l'objectif de ce raid, soigneusement préparé, était la mort d'un homme.
ouvrez-moi. Sauvez-vous vite. Nous l'avons eu. Allons, l'anglais, tu parles sérieusement? Messieurs, l'ordre du jour suivant du général Okinlek s'adresse au commandant et au chef d'état-major des forces du Moyen-Orient. Il existe un réel danger que notre ami Rommel devienne une espèce de magicien ou de père fouettard aux yeux de nos troupes, qui parlent beaucoup trop de lui depuis quelque temps. Ce n'est pas le moins du monde à Superman, quoiqu'il soit sans aucun doute extrêmement énergique et habile. Et même s'il était à Superman, il serait néanmoins hautement indésirable que nos hommes lui attribuent une mystérieuse et surnaturelle puissance. Je veux que vous extirpiez par tous les moyens possibles cette idée que Rommel représente quelque chose de plus qu'un général allemand ordinaire. Veillez à ce que cet ordre soit exécuté immédiatement et insistez auprès des chefs de corps pour qu'ils se rendent compte qu'au point de vue psychologique, il s'agit d'une question de la plus haute importance. Signé C.J. Okinlek, général commandant en chef des forces du Moyen-Orient. Nous sommes dans le désert nord-africain, en juin 1942. Voici les soldats anglais faits prisonniers la veille par des unités de l'Africa Corps. Sortez de là! Allez avec les autres prisonniers! Quel est l'officier le plus élevé en grade ici? C'est moi, je suppose. Venez avec moi. Quel est votre grade? Lieutenant-colonel. Très bien, je veux que vous accompagniez ces deux officiers sous la protection du drapeau blanc pour tirer à la patrie de cessez-le-feu.
Dites-leur qu'ils tuent leurs propres hommes. Je regrette, je ne peux pas faire ça. Ne me dites pas ce que vous pouvez faire ou non. Je vous ai donné un ordre. Tenez, attachez ça à ce fusil. Écoutez, Major, je suis prisonnier de guerre. Vous ne pouvez pas me donner un tel ordre. Vous savez cela aussi bien que moi. Je ne vais pas discuter ce point avec vous. Ou bien vous faites ce que je vous dis, ou bien nous trouverons vite le moyen de vous y forcer. Alors, vous y allez, oui ou non? Major! Major! Qu'est-ce qui se passe? Le feldmarschall vous donne raison. Le maréchal? Ainsi, c'était lui, Rommel. Erwin Johannes Eugen Rommel. Commandant en chef de l'armée ennemie et le soldat allemand le plus célèbre depuis la Première Guerre mondiale. Déjà devenu légendaire dans le désert, c'était le renard qui chassait ses propres poursuivants d'un bout à l'autre de l'Afrique du Nord à peu près aussi souvent que ses poursuivants le chassaient lui-même. Ses ruses, ses astuces, faisaient la joie des Tommies eux-mêmes, ce qui n'est pas un réflexe bien recommandable envers l'ennemi pendant la guerre. Malgré tout, il restait naturellement mon ennemi. Celui non seulement de mon pays et de l'armée dans laquelle je servais, mais de la vie telle que je la connaissais. L'ennemi non seulement de la démocratie comme les hommes libres l'avaient façonnée, mais de la civilisation elle-même. Je m'appelle Desmond Young. Au moment de ma capture, j'étais lieutenant-colonel dans l'armée des Indes. C'était ma première et ma seule rencontre avec ce rude et imperturbable soldat professionnel, dont le respect scrupuleux des lois de la guerre avait joué, dans mon cas, d'une façon aussi heureuse. 2 ans et 4 mois plus tard, pendant que les Anglais et les Américains se frayaient un passage à travers l'Europe, Erwin Rommel mourait. Il avait succombé, d'après les nazis, à des blessures glorieusement reçues au champ d'honneur. Mais les nazis étaient de fiefs menteurs, et beaucoup se demandaient ce qui s'était passé, car déjà de mystérieuses rumeurs avaient traversé le front. Aussi, quand la guerre fut terminée, et ma vie militaire en même temps, je m'assignai une mission. Je me lançai à la découverte de la vérité. Comment était-il mort? Sur quel champ d'honneur? Dans une modeste maison du petit village d'Erlingen, près d'Ulm, dans le Württemberg, en Allemagne, j'ai parlé longtemps et souvent avec la veuve de Rommel et son fils. J'ai examiné ses lettres, ses rapports, tous ses papiers. En Allemagne, j'ai causé avec des soldats qui avaient servi avec lui, avec ses supérieurs et ses subordonnés. En Angleterre, j'ai interrogé des hommes qu'il avait combattus, depuis des maréchaux jusqu'au rat du désert. Dans les deux pays, j'ai naturellement consulté les archives officielles. Basé là-dessus, voici donc l'histoire véridique d'Erwin Rommel. Le commencement de la fin, pour ce soldat émérite, survint à 9h30 le soir du 23 octobre 1942, quand à El Alamein, 6 km de canons anglais... qu'en réalité, Rommel n'était pas en Afrique quand l'ouragan de feu et de fer se déchaîna. Souffrant d'une rhinite chronique, il avait été relevé de son commandement et envoyé par avion dans un hôpital d'Allemagne. Mais, quand le téléphone sonna à son chevet et que, de Berlin, une voix familière fit appel à lui une fois de plus, il se leva et quelques heures après, un avion le ramenait dans le désert. Thank you.
Merci, Wagner. Toujours aussi élégant, je vois. Par principe. Heureux de vous voir parmi nous. Jetons un coup d'œil sur les cartes. Pas ici. Comment ça va, Bayerlein? Ça va, je vous remercie. Vous avez vu Frau Rommel? Oui, elle est venue une semaine à Zemmerheim avec Manfred. Ils vont bien? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Il est évident qu'ils sont trop forts pour nous. Ils sont trop forts en tout. Si leur pression continue, je ne sais pas comment nous pouvons nous en sortir. En tout cas, pas avec l'essence que nous avons. Mais l'essence ne manque pas, j'espère. Il y en a, mais pas assez. Vous voulez dire qu'elle est en route? Elle n'est pas en route et on n'en prévoit même pas. Qui donc vous a dit ça? J'ai parlé à Rome 3 fois en 2 jours. À 10 h hier soir, j'ai su qu'il n'y avait pas d'essence en route pour nous et qu'il n'y en aurait pas. Schulz. Haldinger. Venez. Et les chars, est-ce qu'il en est arrivé? Aucun. Pas depuis mon départ? Non, aucun depuis août. Et l'artillerie spéciale, la Nebelwerfer? Rien, Feldmarschall. Et nous n'avons pas d'essence du tout? Pas un bidon. Ces cartes sont rigoureusement à jour. Donnez-moi un tabouret, je vous prie. Ça va le plus mal, c'est ici. Le 15e est en mauvaise posture. Je me demande comment elle tient. Ils ont mis tout le paquet là. Qu'est-ce que c'est, ça? La division Trento, elle est venue ici. Oui, je vois. À quelle profondeur sont les blindés? Pas bien loin. Ils sont très bien. Donnez-moi mes cartes. Vous amènerez la 21e et l'arriété au nord, par ici. Vous placerez la 19e et la division Trento ici. Pour faire une jonction. C'est ça. Maintenant, dites-moi, est-ce que Montgomery envoie toujours son infanterie d'abord? Naturellement. Et ensuite, ses blindés? C'est ça. On va lui faire une surprise. Envoyons nos chars en premier pour enfoncer son infanterie. Si ça marche, nous tomberons sur ses chars avant qu'il ne comprenne ce qui lui arrive. Et notre infanterie suivra pour terminer le travail. Bien, Feldmarschall. Si ça ne marche pas, nous saurons qu'il ne faut plus employer ce système. Venez, Haldinger. N'allez pas au front, Feldmarschall. Vous ne croyez pas que vous devriez vous reposer une heure ou deux d'abord? Après 3 semaines de repos forcé. Où allons-nous? Vers le nord, voir ce que fait la 21e. Mais il y avait maintenant un autre renard dans le désert, peut-être encore plus rusé. Et si, pendant plusieurs jours, la bataille fut confuse, il apparut rapidement que cette confusion tournait à l'avantage de Montgomery. Vous avez trouvé le Feldmarschall? Non, il est remonté au fond à nouveau. Je ne sais pas ce que peuvent en penser les troupes combattantes, mais en ce qui concerne l'état-major, j'aimerais autant avoir un commandant en chef qui ait un tout petit peu de lâcheté devant le danger. Juste assez pour qu'il se planque ici au quartier général de temps en temps. Cherchez-le toujours, voulez-vous? Au 10e jour de la bataille, Rommel lui-même ne pouvait plus douter de son issue. Il y a une limite à ce genre de choses. Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment jusqu'à ce que le dernier homme soit tué.
C'est peut-être très héroïque et tout, mais c'est également assez idiot. Von Thoma veut se retirer sur Daba. Et que fait Müller? Toujours pas de réponse, le Marshal. D'où êtes-vous, mon petit? Le Goslar, Père Marshal. C'est vrai. Je suis resté en garnison avec un bataillon de montagne. Nous faisions beaucoup de ski. Vous connaissez la descente? Très bien, Père Marshal. Vous êtes un bon skieur? Il y a 2 ans, j'ai gagné le slalom. Vous êtes sûr que Rome a compris qu'il me fallait une réponse immédiate? Oui, Père Marshal, je l'aurais fait répondre. Bon, vous essayez toujours d'avoir Müller. Oui, Père Marshal. On essaye Berlin? Il appellera s'il peut. Il ne l'a pas fait? Non, mais il connaît la situation. Je l'ai mis au courant hier soir et s'il peut faire quelque chose, il le fera. Quoi que vous en disiez pour Berlin, nous ne sommes qu'un front secondaire et vous le savez. Bon, alors? Ça va mal pour Müller. Très mal? Oui, j'en ai peur. S'il ne retire pas ses troupes, bientôt il n'aura plus rien à retirer. Mais où est-il? Pourquoi ne répond-il pas à nos appels? Son commande-car est détruit. Il travaille dans un camion. Et s'il lui reste plus de 40 charges, je serais vraiment très surpris. Et les Italiens? Müller estime qu'ils sont là à la limite de leur résistance. Rome, Feldmarschall. Alors? Le Feldmarschall Kesselring regrette. Voilà qui élimine toute spéculation sur l'avenir, en tout cas. Il ne s'agit que d'un problème de mathématiques. Avec le peu d'essence qui nous reste, nous avons le choix soit de rester ici et d'être anéantis, ou bien de nous retirer cette nuit et de nous terrer quelque part pour le prochain round. Le pouvons-nous encore? Filer, bien sûr, pourquoi pas. Montgomery n'est pas à court d'essence, nous. Non, mais pas. Je crois que ça ne sera pas trop difficile. Montgomery est un homme qui prend le temps de la réflexion. Il ne bondira pas après moi comme j'aurais bondi après lui. Il faudra d'abord qu'il réfléchisse un peu. Je ne vois vraiment pas ce que nous pourrions faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Suivons le plan C. Prévenez les officiers responsables d'être prêts à exécuter des ordres importants. Si nous pouvons filer assez vite. Berlin, Feldmarschall. Qui à Berlin? Le Führer. Signé Adolf Hitler. La situation exige que la position de l'Alamein soit tenue jusqu'au dernier homme. Il n'est pas question de retraite, on ne reculera pas d'un millimètre. Ce sera la victoire ou la mort. Ah, je ne peux pas y croire. Vous avez toujours Berlin? Oui, Feldmarschall. Demandez-lui de répéter ce message. Oui, Feldmarschall. Je sais, mais ce n'est pas lui, je vous dis. Ce sont ces salopards à nouveau, ces voleurs, ces assassins, ces bandits, ces soldats de plomb, ces faux généraux avec leurs bouquins, leurs cartes, leurs panoplies, leurs petits drapeaux. Comment écoutent-ils de pareille nullité? Comment supportent-ils l'odeur de cette pourriture? Pourquoi ne les détruit-il pas pour se servir de son propre cerveau? Ils ont répété, Feldmarschall. Bon, allez-y, lisez. La situation exige que la position d'Al-Alamein soit tenue jusqu'au dernier homme. Il n'est pas question de retraite, on ne reculera pas d'un millimètre. Ce sera la victoire ou la mort. Signé Adolf Hitler. C'est incroyable. N'allez pas suivre des instructions aussi insensées. C'est un ordre, Bayerlein, un ordre militaire qui vient du quartier général. C'est clair, net. C'est stupide, criminel, mais c'est un ordre qui vient du quartier général. Et maintenant, qu'allez-vous faire? En doubler la folie en lui obéissant? Nous avons les meilleurs soldats de l'armée allemande ici. Ils sont peut-être mal en point pour l'instant, mais c'est toujours une force qui peut combattre. Si on les retire, ils pourront se battre de nouveau demain. Mais ça, c'est d'une pure folie. On se croirait au Moyen-Âge. Personne n'a dit la victoire ou la mort depuis le temps des flèches et des arcs. Mais ça équivaut à l'ordre de faire disparaître toute une armée. Permettez-moi de vous rappeler, Feldmarschall, qu'au combat, ces hommes sont à vous, pas à lui. Je n'arrive pas à le comprendre. Moi, si, il est fou. Il n'est pas fou, il... Mais moi non plus. Commander la retraite. J'en discuterai avec le Führer plus tard. La faim survint à Tunis. Quand les forces de l'Axe furent prises entre les Anglais, les Français libres et les Américains sous les ordres d'Eisenhower, les Allemands se rendirent sans condition. Mais l'Afrika Korps fut emmené en captivité sans son chef. Car un mois avant la fin, Rommel, malade, souffrant à nouveau de la gorge,
avait été envoyé à l'hôpital en Allemagne. Bonjour, sergent. Bonjour, Frau Rommel. En fait, bonjour. Docteur Strolin? Karl Strolin, je suis le maire de Stuttgart. Le docteur Strolin est un vieil ami du Feldmarschall. Je crois que vous allez le trouver beaucoup mieux ce matin. Tout ce qu'il lui fallait, c'est un peu de repos. Frau Rommel? Manfred Rommel? Et docteur Karl Strolin? De Stuttgart? De Stuttgart, et même maire de Stuttgart. Ne me dites pas qu'il est sur la liste. Dr. Karl Strolin, maire de Stuttgart. Elle dit que c'est un vieil ami du Feldmarschall. Je n'y peux rien y là-dessus. Surveillez étroitement et gardez une observation chaque fois qu'il sera découvert hors de l'enceinte de Stuttgart. À vrai dire, discussion n'est pas vraiment le mot qui convienne. C'est impossible d'avoir une discussion avec lui dans le genre de celle que nous pourrions avoir, vous et moi. Il hurle, il braille, il se lance dans une telle crise d'hystérie que c'est comme si on essayait de raisonner une femme en proie à la panique. Il l'a traité de couard. Il a osé se servir de ce mot envers vous? Pas une fois, mais plusieurs fois. En Russie, a-t-il dit, des officiers comme moi ont été mis contre un mur et fusillés. Il ne faut pas que je croie que ça ne puisse pas m'arriver aussi. C'était cela sa récompense. C'était sa gratitude pour tout ce qu'Erwin a fait pour cet homme. D'un autre côté, il ne faut pas trop juger les gens comme complètement responsables de ce qu'ils peuvent dire sous l'empire de l'émotion. La guerre ne marche pas bien et naturellement, il s'inquiète. Et j'ai bien peur en tout cas de n'être pas prêt d'oublier ce qu'il a fait à l'Afrika Korps. Et qu'a-t-il fait? Quand la fin était proche et que je lui ai demandé de nous replier, il a dit qu'il ne s'intéressait plus en aucune façon à l'Afrika Korps. Et c'était ça leur récompense. Rommel, je voudrais vous poser une question. Bien sûr, si vous ne désirez pas répondre, je comprendrai, mais avec votre permission, je voudrais quand même vous la poser. Quelle est-elle? Croyez-vous vraiment que nous puissions vaincre? Je vais vous dire ce que croit le Führer. Oui. Le Führer croit que non. Est-ce qu'il vous l'a dit lui-même? Lui-même. Et est-ce qu'il se rend compte du résultat cette fois? Apparemment. Alors pourquoi continuer? Parce que nous n'avons pas le choix. Parce que aucun des pays ennemis, l'Angleterre, l'Amérique, la Russie, ne veut faire la paix avec lui. Il a admis cela. Et c'est la vérité, bien sûr. Autrement dit, tant qu'il demeurera à la tête de l'Allemagne, nous devrons nous battre jusqu'à la destruction. La victoire ou la mort, plus que jamais. Je suppose qu'il n'a pas mentionné la solution évidente de la situation. Que voulez-vous dire? L'abdication. Voyons, mon cher Strolin. Il va falloir que nous partions, chérie. Quoi, déjà, vraiment? Il faut que je prenne mon train. Nous reviendrons après souper. Nous prendrons le café ensemble. Au revoir, Strolin. Ça m'a fait plaisir de vous revoir après tant d'années. Je laisserai passer moins de temps la prochaine fois. Tu crois qu'il pourrait faire une chose pareille? Quoi, Manfred? Te fusiller. Non, non, bien sûr que non. C'est sa manière violente de parler. Il ne faut pas faire attention à tout ce qu'il dit. Fusiller son meilleur général? Tu n'aurais pas dû dire ça devant lui. Allez, viens et cesse de dire des bêtises. À ce soir, mon chéri. Et reviens de bonne heure. Il est beau garçon, Manfred, non? Et un garçon très bien aussi. Mais lui avez-vous dit vraiment ce que vous pensiez? À propos de quoi? Quand vous lui avez dit qu'Hitler ne vous collerait jamais au mur. Mais bien sûr. Vous n'avez jamais réfléchi qu'il était possible qu'il se retourne contre vous? Pourquoi le ferait-il? Il s'est déjà retourné contre d'autres. Il ne le fera jamais contre moi. Et que pensez-vous des gens qui l'entourent et qui vous détestent? Himmler, Bormann et leur gang. Ils ne l'influencent donc jamais? Si, ils l'influencent souvent. Vous croyez qu'il est impossible que ces gens l'influencent un jour contre vous? C'est possible, oui, mais je ne crois pas que ce soit très probable.
Mais si nous admettons que ce soit éventuellement possible, avez-vous pensé à ce qui peut arriver à Lucie et à Manfred? Je dois dire que je n'y ai jamais pensé. Mais pour l'amour du ciel, où voulez-vous en venir? Réfléchissez-y. C'est tout. Vous n'avez pas changé, docteur. Vous êtes toujours le même phénomène. Mais inutile de vous inquiéter, cette fois, nous ne sommes pas en danger, aucun de nous. Et si vous voulez écouter le conseil d'un vieil ami, ne parlez pas de cette façon devant tout le monde. Je m'en garde. Seulement à ceux que je connais très bien et que j'aime beaucoup. Au revoir, Rommel. Au revoir, Staline. Revenez si vous pouvez. J'essaierai. Qu'une invasion de la forteresse européenne d'Hitler n'était plus qu'une question de temps. Et en novembre 1943, Rommel fit une tournée d'inspection du mur de l'Atlantique avant de prendre le commandement des forces nazies qui se rassemblaient pour résister à l'assaut. Un mois après, Rommel se présentait devant le maréchal von Rundstedt, chef suprême des armées allemandes de l'Ouest, à son quartier général installé à Fontainebleau, dans l'hôtel de la Pompadour. Le Feldmarschall von Rundstedt, messieurs. Guerre. Feldmarschall. Messieurs,
content de vous voir, Rommel. Feldmarschall. Eh bien, maintenant que vous avez eu l'occasion de l'examiner en détail, que pensez-vous de notre mur de l'Atlantique? Je n'ai malheureusement pas encore complété mon rapport, mais... Nous en parlerons plus tard, quand vous serez prêt. Je ne crois pas que le Tout-Puissant Eisenhower nous tombe au bras dessus avant un jour ou deux, de toute façon. Cette inspection ne vous a pas trop fatigué, j'espère? Non, pas du tout. Je suis tout à fait rétabli. Merci. J'en suis ravi. Vous ne manquez de rien, tout va bien, messieurs? Oui, Feldmarschall, merci. Boer, voulez-vous vous occuper de nos amis pendant que le Feldmarschall Rommel et moi-même avons quelques instants d'entretien privé? À vos ordres. Déplorable, n'est-ce pas? Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle un mur. Les grands ports comme Le Havre, Ostende et Cherbourg sont protégés assez bien, mais l'ennemi ne va pas arriver sur le Queen Mary. Absolument rien n'a été fait pour les plages. Tenez, j'ai vu 50 endroits où une armée d'enfants pourrait débarquer. C'est la main-d'œuvre qui manque. Nous avons les plans de fortification que le diable lui-même ne pourrait passer. Acier et béton du Danemark à l'Espagne. J'ai bien peur que nos amis les Français ne collaborent pas autant qu'ils le pourraient. Même quand on les pousse, ils avancent comme des escargots. Ou nous les stoppons pendant qu'ils barbotent vers le rivage, ou nous sommes flambés. Ce serait là votre plan de défense. Stoppons-les sur les plages, que la mer soit farcie de mines, de pièges, d'engins. Frappons fort pendant qu'ils sont occupés à se sauver de la noyade. Ici. Et ici. Et ici. Je ne suis pas de cet avis. Mais notre différence d'opinion restera probablement académique. Car il se trouve que ni vous ni moi ne déterminerons la tactique de ces opérations. En tout cas, pas au-dessus du niveau régiment. Vous voulez dire Berlin? Je veux dire que notre caporal autrichien va assumer seul la responsabilité de ces opérations. Vous et moi, nous serons simplement les instruments de ses aspirations astrologiques. Et au cas où vous seriez affligé d'un scepticisme compréhensible, ceci est officiel. Mais c'est absolument impossible, cette situation. Alors, vous devriez le lui expliquer au plus tôt. Vous n'avez pas protesté, vous? Après être intervenu une douzaine de fois auprès d'un fou, qui s'est déterminé avec enthousiasme à se couper la gorge, il arrive un moment où l'on se décide à laisser tomber et à regarder les faits avec un certain détachement. Vous ne voyez pas d'objection à ce que moi je lui en parle, Feldmarschall? Au contraire, je vous octroie ma bénédiction pour votre courage et votre optimisme. Je me suis laissé dire que vous m'aviez traité de clown. Le clown du cirque d'Hitler. J'aurais dit ça. Si c'est... Vous devez savoir que j'ai été beaucoup plus explicite à votre sujet, bien souvent. Aucune importance, Feldmarschall. J'ai découvert qu'il m'était presque impossible de me souvenir des méchancetés qu'on disait sur moi. L'avez-vous dit? Si quelqu'un l'a dit, vous lui avez amplement donné l'occasion de regretter cette remarque stupide. Merci, Feldmarschall. Je t'en prie. Y a-t-il autre chose? Non, je ne crois pas pour le moment. Une suggestion, peut-être, étant donné notre cordialité. Si j'étais vous, je ne cesserais pas un seul instant de me tenir sur mes gardes lorsque je parlerai de cette stratégie nouvelle manière. Sachez qu'à partir de maintenant, vous serez plus ou moins sous une surveillance constante. Par Berlin? Eh bien, par des amis de la direction, je présume. Sauriez-vous par hasard pourquoi je suis l'objet de ces attentions particulières? Oh, mais il n'y a pas que vous. Nous le sommes tous. Apparemment, vous n'étiez pas surveillé en Afrique. Mais ici, sur le continent, c'est un honneur réservé à tous les commandants. Vous aussi? Mon cher ami, je suis le commandant en chef. Deux mois plus tard... En février 1944, pendant une des rares absences de Rommel du front de l'Atlantique, son vieil ami, le docteur Karl Strollin, vint le voir à nouveau. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Je suis le docteur Strolling. J'aimerais voir le maréchal et Frau Rommel. Entrez, docteur. Eisenhower n'essaiera pas avant le printemps, bien sûr. Mais je ne crois pas que je puisse revenir chez moi avant. Sommes-nous prêts à le repousser? Nous le serons, j'espère. À votre bonne santé, docteur. À la vôtre, mon cher Rommel. Vous êtes sûr que nous pouvons parler en toute sécurité? Pourquoi? Pourquoi ne pourrait-on pas? Est-ce que M. Himmler a besoin d'une raison pour cacher des micros dans une pièce? Certainement, il n'en a pas besoin. Je ne pense pas que vous ayez à vous inquiéter pour cette pièce-ci. Pourquoi demandez-vous ça? Parce que je veux vous parler sans qu'on puisse nous entendre. Me parler de quoi? À propos de la question Hitler. S'il s'agit de politique, Strolin, je ne veux pas vous entendre. Est-ce que vous préférez voir l'Allemagne détruite? Je vous répète que je ne veux pas discuter de ces choses. Et vous me surprenez, vraiment. C'est une position communiste. Oh, c'est vrai? La défaite, la rébellion, toutes ces activités, vous le savez bien. Traitez-vous le général Beck de communiste? Bien sûr que non. Ou Karl Gödler, le maire de Leipzig? Je n'ai jamais entendu dire qu'il le soit. Et Falkhausen? Non, mais... Pensez-vous que le général von Stupnagel, non, et von Neurath et von Hassel soient des communistes? Est-ce que vous essayez de me dire sérieusement que des hommes pareils mettent en doute son autorité? Ils ne la mettent pas en doute. Ils veulent y mettre fin. Vous voulez dire que vous leur avez parlé vous-même? À eux et à beaucoup d'autres encore, des hommes de tous les milieux. Pasteurs, syndicalistes, avocats, docteurs, membres du gouvernement même. Pas tellement nombreux, mais des hommes bien, tous tant qu'ils sont. Il y a longtemps que ça a commencé? Depuis 38. Et que cherchez-vous exactement? Primo, on veut se débarrasser d'Hitler et de son gang. Si nous devons subir une défaite, nous préférons que les vainqueurs nous traitent comme des êtres humains, pas des barbares. Secondo, que nous perdions ou gagnions, nous voulons vivre à nouveau comme des gens propres, vivre sans peur. Écoutez, Strolin, je ne veux pas être mêlé à cette histoire. Ce qu'ils font à Berlin est leur affaire, pas la mienne. Je suis un soldat, pas un politicien. Vous vous croyez toujours en parfaite sécurité? Qui peut se vanter de l'être dans une situation comme celle-ci? Avec un homme sain d'esprit, vous le sauriez. Ça, c'est de la bêtise. Et vous le savez. J'espère que vous avez raison. Vous êtes peut-être dans le vrai. Après tout, vous êtes son favori et je ne vois personne qui puisse mettre en doute la gratitude profonde et durable qu'il montre toujours à ceux qui l'ont bien servi. Personne ne court de danger si son travail est bien fait. Dans ce cas, bien sûr, vous n'avez rien à craindre. Et si jamais quelque chose vous arrivait imprévisiblement, vous auriez toujours le réconfort de savoir que la vie de Lucie et Manfred est entre les mains douces, tendres et affectueuses de cette brave petite bande de patriotes qu'il a réunis autour de lui. J'ai bien peur que ce genre d'ironie ne m'amuse pas. Je ne cherche pas à vous amuser. Je vous fais simplement remarquer quelle chance extraordinaire vous avez. Il serait bon que vous y pensiez quelquefois. Pas au sang qu'il bave, mais au bienfait qu'il ne cesse de vous prodiguer. Non seulement dans votre vie privée, mais sur le champ de bataille. Combien d'autres généraux peuvent se vanter d'avoir l'appui d'un chef aussi doué pour l'art de la guerre? Ça suffit, Strolin. Mais vous n'avez sûrement pas oublié comment il a brillamment refusé de se laisser séduire par l'invasion d'une Angleterre sans défense aussitôt après Dunkerque. Ou sa bravoure devant Stalingrad, quand von Paulus voulait se dégager du piège. Quel autre homme au monde aurait eu le courage d'envoyer cet ordre? Bref, simple et émouvant. Pas question de reculer d'un millimètre, la victoire ou la mort. Napoléon lui-même n'aurait pas osé. Ça suffit, je vous dis. Effrayé. Effrayé même d'y penser. Cessez de me parler comme si j'étais un enfant et vous un maître d'école. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Et puis alors, qui donc me demande mon opinion? Et si je leur disais qu'à mon avis, ce qu'ils font en dehors de toute autre considération est stupide au point d'être de l'imbécilité? Qui croyez-vous qui m'écouterait? Avez-vous essayé? Bien sûr. Et on m'a répondu de m'occuper de mes affaires. Et qui dit qu'ils n'ont pas raison? Vous n'êtes sûrement pas assez naïf pour croire qu'un soldat doit approuver chaque instruction de son gouvernement avant de combattre pour lui. Quelle armée pourrait exister si chaque homme était libre de décider de ce qu'il fera ou ne fera pas? À vrai dire, un soldat a seulement une fonction dans la vie. Une seule excuse pour exister, et c'est simplement d'exécuter les ordres de ses supérieurs.
Le reste, y compris gouverner, c'est de la politique. Et s'il faut vous le rappeler à nouveau, je suis un soldat, non un politicien. Ce que fait le gouvernement... Ah, cessez de vous cacher derrière votre sacré uniforme. Que m'importe votre conception de la philosophie du soldat? Tout ce que je comprends, c'est que vous êtes terrifié et que vous le cachez sous un tas de bêtises à propos des fonctions d'un robot. Avez-vous oublié que je vous connais depuis 20 ans? Mais je sais exactement ce que vous pensez de cette abomination à Berlin. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est cette veulerie qui vous fait accepter de vous jeter dans l'enfer avec une bête fauve que vous haïssez et méprisez. Où sont l'intelligence et le courage dont vous faites preuve au combat? Vous n'en avez donc plus ici? Je crois qu'il vaut mieux que vous quittiez cette maison. Tout de suite. Pas avant que vous ayez eu la décence de vous montrer honnête avec un vieil ami. Et si la raison ne suffit pas, parfait, je suis tout prêt à aller plus loin. Mais je n'ai pas l'intention de bouger de cette pièce avant que vous et moi ayons affronté la vérité. Préférez-vous que j'appelle la garde et vous fasse arrêter? Ça, vous ne le ferez jamais. Et puis-je savoir comment vous savez si bien ce que je ferai ou ne ferai pas? Parce que Lucie m'a dit que vous ne le feriez pas. Vous... vous avez donc causé de tout cela avec Lucie? Bien sûr. Et elle vous envoie à moi? Pas du tout. Elle m'a simplement dit ce que vous pensez réellement de notre vénéré Führer et de son règne glorieux sur l'Allemagne. Papa, la voiture est là, papa. Nous l'avons vue, ce n'est pas la peine de crier. Je l'ai déjà demandé 100 fois. Il est surexcité. Je sais, mais je suis lasse de lui répéter. Ton brave garçon, rappelle-toi que je n'ai qu'un gosse, malgré son uniforme. Bien sûr. Prends bien soin de toi, chérie. Tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Pour avoir parlé à Strolin. Non, bien sûr que non. A-t-il raison? Je n'en sais rien. Ce n'est pas clair dans mon esprit. Mais c'est une chose terrible qu'il me propose. Une chose effrayante et affreuse. Je ne crois pas que je puisse le suivre aussi loin dans cette voie. Alors ne le fais pas si tu crois qu'il a tort. Je n'ai pas dit qu'il avait tort, mais... même dans ce cas, est-ce le seul moyen de nous en sortir? La trahison. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, quand bien même on croit avoir raison. Tu estimes qu'il vaut mieux laisser les choses continuer telles qu'elles sont? Non, pas du tout, mais il y a certainement un meilleur moyen, je veux dire. Si je pouvais le voir seul à nouveau et lui expliquer la situation personnellement. Veux-tu me dire comment un homme peut faire la guerre dans de telles conditions? N'est-ce pas assez que nous devions affronter l'invasion sans... Non, oublie ça pour l'instant. Tu n'as pas à te décider maintenant. Attends que le bon moment arrive. Quel est ton avis sincère? Je ne saurais te dire, chérie. Je n'en sais rien. Mais n'y pense plus maintenant. Quand le moment sera venu, quelque chose te le dira. Tu ferais bien de t'en aller. Tu es déjà en retard. Écris-moi tous les jours, veux-tu? Tous les jours. Je t'ai préparé quelque chose pour le voyage. Merci, chérie. Au revoir, mon amour. Et ne t'inquiète pas pour moi. J'essaierai. C'est tout, messieurs. Au revoir, fiston. Occupe-toi bien de ta mère. Sois un bon soldat, pour que je sois fier de toi. J'essaierai, père. Est-ce que tu vas nous ramener Montgomery? Dès qu'il aura mis le pied à terre. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. Et finalement, après 4 longues années de préparation, il est venu, le jour J. Et la plus grande armada, le plus gigantesque mouvement de troupes et d'armes de l'histoire mondiale, prirent le départ d'Angleterre et se lancèrent à l'assaut des plages de Normandie et de la forteresse allemande de l'Europe.
Depuis le moment où le caporal de Bohême s'est promis lui-même commandant suprême de nos forces, l'armée allemande est devenue la victime d'une situation étonnante. Elle a contre elle non seulement trop d'ennemis, mais également un Allemand de trop. Vous ne croyez donc pas qu'il soit prêt à nous donner la 15e armée? Oh, je ne vois pas comment il le serait, étant donné les circonstances. Ces astrologues l'ont informé que cette invasion n'est qu'une feinte, que la vraie n'aura lieu que dans quelque temps, au nord de Calais. La 15e armée, assise sur les plages glaciales de la Manche, en train d'attendre une invasion qui a déjà eu lieu plus bas, est un excellent exemple de la guerre par horoscope. Il faut que nous ayons ces troupes. Si on ne nous permet pas de manœuvrer, il faut qu'on soit capable de renforcer nos positions. Il faut que nous le voyons de nouveau à ce sujet. Je vous le dis confidentiellement, Rommel. Je crois que nous ne pouvons plus rien faire qui puisse sauver la situation. Les mots d'ordre pour la défaite sont déjà donnés. Tenez bon, n'abandonnez pas un pouce de terrain. La victoire ou la mort. La guerre ne peut pas être gagnée par des hommes qui basent leur stratégie sur des belles maximes. Elles émeuvent les écoliers, mais elles n'arrêtent pas des troupes. Si j'avais les mains libres pendant quelques mois, les alliés me paieraient ça. Je leur ferais payer un tel prix qu'ils voudraient n'avoir jamais entendu parler de l'Allemagne. Je ne pourrais peut-être pas les stopper tous, mais ils se battraient contre une armée, non contre une série de cibles stationnaires. Bon, il ne nous le permettra jamais, bien sûr. Vous savez combien les caporaux sont tenaces. Connaissez-vous par hasard Karl Strolin? Strolin? Oui, le maire de Stuttgart. Ce nom me dit quelque chose, en effet. Ou le docteur Gördeler de Leipzig? Vous aussi? À chaque jour qui passe, à chaque minute de la journée, je suis de plus en plus convaincu que leur solution est la seule qui soit possible. Vos paroles, vous devez vous en douter, me sont incompréhensibles. Il se propose de l'arrêter, s'emparer du gouvernement et faire immédiatement la paix avec Eisenhower. Je nierai naturellement que cette conversation ait jamais eu lieu. Mais c'est particulièrement enfantin comme idée. Eisenhower ne signera jamais une paix séparée. Pourquoi le ferait-il, puisque les choses marchent si bien pour lui? Cette partie de votre plan est condamnée dès le départ. Mais vous êtes d'accord avec la proposition de base? Je m'excuse, mais je n'ai pas entendu cette question. En tout cas, s'il venait vous demander un conseil ou un avis, est-ce que vous les recevriez? Oh, non. Non. Non, j'ai bien peur que non, Rommel. C'est trop tard. Beaucoup trop tard. Même s'ils agissaient immédiatement? Vous vous méprenez. Pas trop tard pour cela. Trop tard pour moi. J'ai 70 ans. Trop vieux pour me révolter. Trop vieux pour aller contre l'autorité. Si mauvaise qu'elle soit. Berlin appelle. Maréchal Keitel. Keitel? Von Rundstedt? Lui-même. Est-ce que c'est vrai pour Cherbourg? Hélas, oui. Mais c'est une chose affreuse. Comment annoncer une telle nouvelle au Führer? Ce n'est pas la première fois que vous l'en annoncez de mauvaise. Pourquoi celle-ci présente-t-elle un problème nouveau? Mais justement, nous ne lui annonçons que des malheurs depuis des semaines. Il n'y a pas une bonne nouvelle que je pourrais lui glisser en même temps? Vous avez pris des renseignements sur le front russe? Mais ce n'est pas du front russe que nous discutons en ce moment. Nous parlons du vôtre. À chaque communiqué, la situation dans l'Ouest semble empirer. Mais c'est au point que ça m'embarrasse de lui causer une autre désillusion comme celle-ci. Vous n'avez pas une idée qui puisse nous en sortir? Certainement. Donnez-moi les 19 divisions de la 15e armée qui jouent aux cartes à Calais pour passer le temps. Vous savez que c'est impossible. Le Führer a déjà expliqué qu'il était nécessaire qu'elle demeure là. Parfait, alors.
Donnez-nous la permission de quitter la Normandie et de nous replier sur une ligne qu'on puisse défendre. Vos ordres sont de combattre là où vous êtes. C'est exactement ce qu'il attend de vous. Est-il possible que vous n'ayez pas de meilleures suggestions? Oui, j'en ai une bien meilleure, à vrai dire. Faites la paix, tant d'idiots. Au revoir, mon cher Rommel. Il ne répétera jamais ça. À l'instant même, il est en train de cogner à la porte du caporal. J'apprends de satisfaction. Il ne faut pas oublier ceci, mon cher. La victoire a des centaines de pères. La défaite est orpheline. Dans les 24 heures, vous allez être nommé mon successeur. Et je vous prie de croire à ma profonde sympathie. Ridicule, il ne vous laissera pas partir. Mais pas trop vieux, ajouterai-je, pour souhaiter bonne chance à vos amis pour leur intéressant et remarquable projet. Pendant ce temps, s'étant assurés des têtes de pont inexpugnables, les Alliés faisaient déferler leurs troupes et leurs chars à travers la France et fonçaient vers le Rhin. Rangez ça dans un endroit facile à atteindre, ainsi que ces dossiers. Gardez la clé vous-même et décidez de ce que vous allez faire du reste. Oui, Feldmarschall. Feldmarschall. Cher Rommel, j'entire confiance dans le porteur de cette note, le lieutenant-colonel César von Pofacker, de mon état-major. Il est urgent que vous lui fournissiez tous les renseignements possibles. Stulpnagel. Où est-il? Dans le petit salon. Haldinger. Oui, Feldmarschall. Colonel. Je vais essayer d'être aussi bref que possible, Feldmarschall. Surveillez le corridor, Haldinger. Oui. Je vous écoute. Nous sommes forcés de prendre une décision immédiate. Trois de nos hommes ont été arrêtés à Berlin hier. On va les faire parler, bien sûr. Mais heureusement, ce qu'ils savent des personnes compromises est très limité. Cependant, selon l'opinion de ceux que cela concerne, il n'y a plus un seul jour à perdre. Il faut agir tout de suite. Alors, tout est réglé. Définitivement? C'est ce que j'ai compris, Feldmarschall. Le général est extrêmement désireux de savoir si vous êtes en position de parler pour les chefs que vous lui avez indiqués. À mon signal, dès maintenant, ils sont prêts à me suivre et à me seconder. J'ai donc la permission du Feldmarschall d'informer le général Stulpnagel que nous pouvons agir maintenant, sans qu'il y ait besoin d'autres consultations. Attendez ici, colonel. Venez avec moi, Ruger. On me laisse seul, Haldinger. À vos ordres. Dehors. Laissez tomber tout ça, dehors. Feldmarschall Rommel à l'appareil. Je veux parler au Feldmarschall Keitel. Il faut que je sois certain. Absolument certain. Il faut qu'une dernière fois, j'essaie de faire entendre raison à Berlin. Keitel? Rommel? Écoutez-moi très attentivement, Keitel. Il faut que je voie le Führer tout de suite, quelque part en France. Je ne peux rien expliquer au téléphone, mais il faut que vous lui fassiez comprendre qu'il s'agit d'une question d'extrême urgence. Je vous suggère demain matin. Le 17 juin, ils se rencontrèrent dans la forteresse souterraine d'Hitler, à Margival, près de Soissons.
Je remplis un devoir extrêmement difficile, mon Führer. Mais les circonstances ne me laissent pas le choix. Nous atteignons un point sur le front ouest qui demande une décision de la plus haute autorité. Mais vous l'avez dit mille fois. Et chaque fois que j'ai à vous parler, c'est une nouvelle crise qui se déclenche. Mais quand l'ennemi a une supériorité écrasante sur terre, sur mer et dans les airs, et qu'il continue à devenir plus fort à chaque heure pendant qu'on s'affaiblit à la même cadence, j'estime que c'est une crise, quels que soient les critères que j'emploie à l'évaluer. Une crise qui doit être examinée avec promptitude et réalisme. C'est bien vous toujours le même. Chaque fois que tout marche bien, vous êtes plein d'allant. Mais à la toute première difficulté, vous devenez défaitiste, complètement défaitiste. Ça vous intéresse peut-être de savoir pourquoi vous n'avez pas succédé à Von Rundstedt. Voilà pourquoi. Mais j'aurais peut-être mieux fait de vous remplacer définitivement. Peut-être avez-vous un tout petit peu confiance en moi. Plus à ce qu'il semble que le Führer en a en moi. Puis-je continuer? Est-ce que les bombardements par V2 font à Londres, personne ne vous l'a dit, personne? Si, mon Führer. Mais pourquoi pas sur les têtes de pont? Parce que ce n'est pas leur but. Ils n'ont pas assez de précision. Il leur faut comme cible une cité entière qu'ils ne peuvent pas manquer. Alors pourquoi pas les ports d'embarquement? Plymouth, Southampton, Portsmouth? Non, 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 non! C'est exactement ce que je veux dire quand je vous trouve incapable de voir plus loin que le champ de bataille. Les Britanniques se moquent de ces villages. C'est Londres qui est leur grand amour. Ils ne veulent pas le voir détruit complètement comme je vais le détruire. Et dans moins de 2 semaines, rappelez-vous mes paroles, ils imploreront à genoux leur reddition. Attendez, vous verrez. Pour continuer, mon Führer, la lutte est terminée sur ce front. Pendant ces 2 semaines dont vous parlez, il faut vous préparer à voir l'ennemi enfoncer nos lignes de défense et pousser vers l'intérieur de la France. Au point de vue militaire, la fin est déjà en vue. Nous n'avons rien à lancer dans la bataille. Alors qu'est-ce que vous proposez? Que nous nous rendions? Je vous donne les faits, rien d'autre. Quant aux conclusions qui conviennent, c'est à vous-même de les tirer. À qui conviennent-elles? À vous! Je suggère, mon cher Rommel, que vous gardiez votre génie pour combattre. Et que vous laissiez la conduite de la guerre à ceux qui en ont la responsabilité. Mes excuses, mon Führer. Maintenant, si le Führer veut bien m'honorer de ses conseils... C'est bien, permettez-moi de vous en informer, n'est pour le moment que la première de toute une série d'armes nouvelles qui vont complètement révolutionner tout l'art de la guerre. J'ai déjà un second engin qui est 100 fois plus puissant et un troisième en vue, qui sera 1000 fois plus destructeur que le second. Mais la décision doit être prise aujourd'hui, mon Führer. J'en ai des douzaines d'autres qui tous sont capables de bouleverser tout le cours de la guerre. Oui, mais pour maintenant, mon Führer, qu'est-ce que nous allons faire demain matin? Pendant que vous décidiez que tout était perdu, nous avons travaillé. Fait des miracles. Déterminer le cours de l'histoire mondiale pour des siècles à venir. Dans les ateliers, les laboratoires, on a dressé des plans de machines de destruction telles que l'ennemi n'en a jamais rêvé. J'en ai une dans l'esprit. J'en ai une dans l'esprit. Désormais tout acquis au complot qui projetait d'assassiner le Führer, Rommel essayait toujours d'insuffler un esprit combatif à ses troupes qui s'effondraient. Quand, le 17 juillet, sur une petite route, près d'un village qui, par une ironie du sort, s'appelait Montgomery... Avion ennemi! Trois jours plus tard, le 20 juillet, pendant que Rommel, toujours sans connaissance, gisait dans un hôpital de France, Adolf Hitler et son état-major se réunissaient pour une conférence fatidique dans un baraquement fortifié à son quartier général de Prusse orientale.
Führer, monsieur. Il manœuvre ses panzers comme un officier de cavalerie. Merci, monsieur. Mon Führer. Oui. Stauffenberg, mon Führer. Oui, oui, oui. Stauffenberg, bien sûr. Avec le général von. C'est ça. Je suis heureux de vous revoir. Merci, mon Führer. S'il vous plaît, votre attention, messieurs. Je vous demande pardon. J'ai là un rapport du général Fromm. Où est Goering? Il arrive, mon Führer. Quand on est gros, on ne marche pas vite, hein? Colonel Comte von Stauffenberg. Oui. Téléphone, colonel. Merci. Commençons par le front russe. Mon Führer. Oui, je vais bien. Pour avoir échoué, 5000 suspects perdirent la vie pendant les quelques jours qu'Hitler passa à l'hôpital. Quant à Rommel, qui se rétablissait à Erlingen de blessures qui auraient été mortelles pour tout homme moins coriace, son nom cessa brusquement d'être mentionné en public. Un silence officiel complet entoura désormais le soldat le plus célèbre du pays. Pendant 3 mois, il demeura dans ce sinistre isolement, jusqu'à l'après-midi du 13 octobre 1944. Keitel ? Comment allez-vous, Rommel ? Je me rétablis, merci. Êtes-vous assez bien pour venir à Berlin ? J'ai bien peur que non. Dans une semaine ou deux, peut-être, pourquoi ? Je vais vous envoyer un train spécial. C'est très aimable à vous. Mais je ne suis pas encore assez bien, vraiment. Y a-t-il quelque chose de particulièrement urgent? En serez-vous prêt à prendre un autre commandement? Dans 2 semaines environ, je suppose. 3 tout au plus. Et si on vous envoie quelqu'un, serez-vous capable de discuter de la situation avec lui? Évidemment. Parfait, je vous envoie Burgdorf. Vous le connaissez, je crois. Un peu, oui. Et si je vous l'envoyais en voiture demain matin, cela vous conviendrait? Parfaitement. Il aura tout renseignement et instruction. Veuillez présenter mes hommages à Frau Rommel. Sans faute. Et je vous remercie beaucoup. Au revoir alors. Au revoir. Keitel. Il me proposait de reprendre un commandement. Quand? Quand je serai remis, je suppose. Il te présente ses hommages.
Venons voir le feld-maréchal Rommel. Je vais le prévenir. Voulez-vous lui dire que... Entrez, Bourdeuf. Feld-maréchal. Je suis heureux de vous revoir. Et vous, général? Je ne crois pas que vous connaissiez ma femme, n'est-ce pas? Je n'ai pas ce plaisir, en effet. Ma chérie, permets-moi de te présenter le général Bourdeuf et le général... Meisel. Le général Meisel. Voici mon fils Manfred et le capitaine Haldinger. J'espère que le voyage ne vous a pas trop fatigué. Pas du tout, merci, Frau. Avez-vous le temps de déjeuner avec nous, général? Merci, Feldmarschall, mais nous devons rentrer à Berlin aussi vite que nous pourrons. Parfait, alors veux-tu nous excuser, chérie? Par ici, monsieur. Nous nous excusons, Frau. Je vous en prie, mais je suis extrêmement désappointé. Une autre fois, peut-être. Je l'espère. J'espère que c'est le front russe, pas toi. Mettez-vous à votre aise, messieurs. Fumez si vous voulez. Je ne suis pas comme Montgomery que la fumée dérange. Et maintenant, je vous écoute, messieurs. Nous venons directement de chez le Führer, Feldmarschall. Oui. Et ce que nous avons à dire vient directement de ses lèvres. Oui. Nous avons pour mission de vous faire part, d'abord, de sa profonde gratitude pour les nombreux et héroïques services que vous avez rendus au pays. Continuez. Et ses regrets pour votre accident si malencontreux. J'étais sûr que son silence depuis ce jour signifiait seulement qu'il avait d'importantes affaires à régler. Il est dommage qu'après de pareils états de service... Si vous le permettez, général, nous éviterons tout commentaire pour le moment. Vous me donnerez le message que vous apportez. Oui, bien sûr. Le Reich contre Erwin Rommel. Accusé de haute trahison. Vous observerez que les accusations sont fondées sur de nombreux témoignages écrasants. Je sais lire, merci. Vous avez eu de la chance de réunir autant d'aveux de gens sur le point de mourir. Tout est parfaitement légal, je vous assure, Feldmarschall. Vous pouvez informer le Führer que j'ai hâte de m'expliquer devant une cour de justice. Vous n'avez pas l'intention de nier. J'ai dit, vous pouvez informer le Führer que j'ai hâte de m'expliquer devant une cour de justice. Le Führer espère vivement que cette affaire pourra être réglée sans exposer tous les intéressés à l'inévitable publicité d'une cour de justice. C'est parfait, alors qu'il abandonne l'accusation. Son point de vue est que tout le monde souffrirait d'un procès public. Mes ordres sont de vous rappeler, en employant les termes les plus forts possibles, le dommage que des témoignages de ce genre causeraient à votre nom et à votre réputation. Mais qu'attend-il donc de moi, alors, que je plaide coupable devant vous? Naturellement, il n'en est pas question. Je sais ce qu'il veut. Il veut que je n'ouvre pas la bouche. Il ne désire pas que je parle, que je dise en public ce qui s'est passé. Eh bien, vous pouvez lui dire de ma part que c'est très aimable à lui, mais que je suis très capable de prendre soin de mon nom et de ma réputation de la façon qui me plaît. C'est-à-dire en public, devant la cour. Mais pour quel résultat? Le verdict est déjà indiqué là-dessus. Et il vous a dit de me dire ça aussi? Les preuves sont toutes ici. Quelle défense est possible? Alors, que suggère-t-il? Avant d'aller plus loin, le feld-maréchal doit être prévenu que la maison est entièrement cernée. Tels sont mes ordres, feld-maréchal. Je suis sûr que vous comprenez. Et nous sommes tous les deux armés. Que veut-il que je fasse? Il pense que ce serait du plus grand intérêt pour tous ceux que cela concerne que vous mettiez fin une fois pour toutes à cette situation vous-même. Tranquillement et sans délai. Continuez.
Les avantages d'une solution de ce genre sur un désastreux échange de récriminations dans un procès public sont, selon son opinion, évidents et nombreux. Le plus important pour lui, bien entendu, serait la préservation de votre nom et de votre prestige. Et il s'occuperait lui-même d'éviter que la moindre suspicion pèse sur la façon dont vous disparaîtrez. Autant que le reste du pays pourra savoir, vous aurez succombé à vos blessures de guerre. C'est ce qui sera annoncé officiellement. Et l'État honorera votre mémoire, et votre famille également, avec une générosité qui restera historique. C'était son mot, historique. Votre réputation demeurera aussi glorieuse qu'elle l'était autrefois. Et votre femme et votre fils connaîtront toujours la sécurité et le bien-être, durant toute leur vie. J'ai donc le choix. Dans un sens, oui. Le choix de mourir maintenant ou plus tard. C'est à peu près cela, j'en ai peur. J'ai combien de temps pour faire ce choix? Nous devons rentrer à Berlin ce soir aussi vite que possible. La peine dans votre cas est, paraît-il, le garrot, mort par strangulation. La drogue que j'ai apportée fait son effet en 3 secondes et sans souffrance. Dites-lui de ma part que malgré les désavantages que vous avez eu la bonté de m'indiquer, je choisis le procès. C'est peut-être futile de me défendre, comme vous me l'avez dit, mais je veux me faire entendre. Ça peut avoir beaucoup de valeur pour ceux qui m'écouteront. Ça peut même obliger certains à réfléchir un peu pendant un court moment, comme moi-même je l'ai fait. Hélas, c'était beaucoup trop tard. Quoi qu'il en soit, mon choix est fait. C'est de ma vie qu'il s'agit. J'avoue que votre choix me déçoit, Feldmarschall. Général, vous me brisez le cœur. C'est vraiment malheureux, car si vous insistez pour être jugé, je n'ai pas autorité pour vous offrir la moindre garantie concernant la sécurité et le bien-être de votre fils et de votre veuve. Ils sortent. C'est fini, général? Je crois que oui. Nous attendons dehors, Feldmarschall. Je ne serai pas long. Nous ne nous attendions pas à un tel... C'est déjà fini? Attends-moi là, je vais descendre dans 2 minutes. Qu'y a-t-il, Erwin? Je voudrais que tu sois forte, chérie. J'ai besoin que tu sois forte et aussi très brave. Est-ce que tu comprends? Oui. Il faut que je m'en aille maintenant. Et je ne reviendrai pas. Est-il nécessaire que j'en dise plus? Il n'y a pas d'autre solution. Non. Mais ça ne sera pas trop terrible. Ils vont me donner une drogue indolore et dont l'effet est immédiat. Nous partons maintenant et je la prendrai aussi vite que possible. Nous sommes armés. On ne peut pas essayer de s'enfuir. Non, il n'y a rien qu'on puisse faire. Ils ont pensé à tout. On pourrait les descendre au moins. Je vous répète qu'il n'y a rien à tenter. Il faut que je fasse exactement ce qu'ils disent. Oui. Est-ce que tu vas être brave maintenant? Je n'en sais rien. Toi et Manfred, vous ne serez pas inquiétés. Ils me l'ont formellement assuré. Et personne ne doit rien savoir à part nous. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen? Aucun autre, chérie. Tu l'as dit à Manfred déjà. Je lui dirai en descendant. Non, laisse-moi lui dire. Je lui dirai tellement mieux.
Si tu veux. Je vais mettre mon manteau. Il fait froid et je ne veux pas trembler. Messieurs, le Feldmarschall. Tu t'en vas tout de suite? Pourquoi pas? Mais tu te sens assez bien? Bien sûr. Je me faisais seulement dorloter par toi et ta maman. C'est la Russie? Adieu, Haldinger, cher et vieil ami. Adieu, Feldmarschall. Prenez soin d'eux. Oui, Feldmarschall. Tu ne peux pas me le dire? Ne pose donc pas tant de questions. Tu sais bien qu'on ne parle pas ainsi à un Feldmarschall. Mais quand saurons-nous? Dans très peu de temps. Adieu, mon fils, un brave gars. Au revoir, papa. Tu les stopperas, n'est-ce pas? Nous verrons. Adieu, chérie. Pendant ce dernier trajet si court, quelles pouvaient être les pensées de Rommel? Étaient-elles amères? Regrettait-il d'avoir compris trop lentement et frappé trop tard? Ou retournait-elle au désert, où son génie militaire avait pour la première fois électrisé le monde? D'abord à Mekelle, puis à Tobrouk. Oui, et même à El Alamein. En tout cas, l'ironie a voulu que sa vie et son destin aient été résumés mieux que par quiconque dans les paroles du plus grand ennemi des nazis, Winston Churchill. His ardor and daring inflicted. Il nous a infligé des désastres cruels. Mais il mérite le salut que je lui ai adressé à la Chambre des communes en janvier 1942. Il mérite également notre respect, parce que, bien qu'il soit resté un soldat allemand loyal, il arriva à haïr Hitler et ses œuvres, et prit part au complot qui projetait de sauver l'Allemagne en éloignant ce démon et ce tyran. Pour cela, il a payé de sa vie. Dans les sombres guerres des démocraties modernes, il y a peu de place pour la chevalerie.